C'est un peu... Là, c'est pas très très Covid. Là, c'est pas très très Covid. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure sur Tourist Bus Simulator, ou alors Tourist Bus Simulator, si vous préférez. J'espère que vous allez tous très bien, merci infiniment pour vos retours. J'attendais de tourner cet épisode, les gars, cette deuxième vidéo avec grande impatience, les gars. J'ai voulu attendre vos retours et ça me fait super plaisir. J'ai un petit peu mieux configuré le jeu, on va voir comment ça va se passer. Le jeu est assez complexe. Le jeu est assez complexe, même vous le dites, c'est quand même dans une simulation encore plus poussée finalement que Euro Truck. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, on va pas perdre plus de temps que ça. On est parti pour notre premier trajet. Donc on va aller au photocopieur et on va obtenir du coup notre première mission. Et ça fait du bien de retourner sur le jeu. Le jeu est beau et j'avais juste une méga hâte, c'était de pouvoir jouer. Donc voilà. Alors attendez, cliquez sur ce bouton pour voir les missions disponibles. Cliquez ensuite sur une mission et confirmez. Et vous pouvez trouver vos missions acceptées en cliquant sur ce bouton. Très bien, je vais jamais retenir mon pote. Mission en cours, nouvelle mission, mission achevée, mission manquée. Très bien, donc on va faire une nouvelle mission. 10 minutes, ligne 11. Ok, donc on a, ouais, on a qu'une seule truc, c'est une ligne quoi. 500 euros, d'accord, bam bam. Alors ouais, par contre, il y a une gestion de temps aussi. Hein. Là, on est le 8 juin. Il est 8h36. Et là, c'est pour 16h. Hein, bah on va la prendre du coup. Je comprends rien du tout, mon pote. Mission en cours. Ça y est, on a notre mission du coup. Alors, ouvrez à nouveau le calendrier et avancez dans le temps jusqu'au prochain événement. Ah bah voilà. Donc on ouvre le calendrier. Ouais. Ah voilà, parce qu'on est, on est le jour même. Donc là, je vais aller à l'heure qu'il faut. Ah oui, mais moi je sais pas. Moi, c'est quelle heure qu'il faut mettre. Eh frérot, attends. Comment on fait pour revoir la mission en cours? On va là. Comment ça? Moi, je veux voir l'heure. Attendez. Je dois bien avoir mission, voilà. Cette fonctionnalité... Bah ouais, mais moi, je sais... Bah, du coup, tant pis, je vais devoir avancer... On avait dit 16h, c'est ça? Je sais plus si c'était 16h. Donc, vous savez quoi? Je vais avancer à 15h. Le temps d'y aller, je pense. On va voir si c'est ça qu'il fallait faire. Avancer au prochain événement. Ah, my bad! Non, d'accord. Oh là là, pfff. Ok, donc on se retrouve carrément le lendemain. Yo, j'avais rien compris, je suis désolé, je suis à la ramasse. Allez, on monte dans notre bus. Vous m'aviez expliqué que notre voiture, du coup, elle s'est garée automatiquement ici. Hein. Oui, non, la porte d'entrée d'un bus, c'est par ici. On va voir comment ça va se passer. Donc, je fais ça. Voilà, ça fonctionne, c'est magnifique. Évidemment, évidemment, on vérifie que les sièges sont en bon état. Bon, de toute façon, on vient à peine de l'acheter. Donc, ça va. On ferme la porte. Et on... Voilà, les gars, du premier coup, là. Ça, ça fait plaisir. Ok, on est très très bien, les gars. Tac. Je vais juste me mettre correctement. Hop. Voilà, là, je suis à peu près bien. Je me sens bien. On est tout bon. Donc, on démarre. Non, ça, c'est pour mettre le contact. Ah oui, il faut maintenir. C'est trop bien fait. Alors, les gars, mon volant a vibré. Je m'y attendais même pas, tu vois. Ok, donc, hop. Hop, on a la caméra de recul. Et on va pouvoir partir, les gars. On va pouvoir partir. Et c'est vrai que vous avez raison. En fait, j'ai jamais fait attention, mais c'est vrai que les roues des bus, donc les roues avant, sont à l'arrière du volant, en fait. Bah, d'ailleurs, on le voit dans le rétroviseur, là. Et du coup, c'est pour ça que la maniabilité peut paraître un peu chelou. Et je comprenais pas pourquoi, mais maintenant j'ai compris, en effet, vous avez raison. C'est le fait que les roues soient à l'arrière, et donc c'est... L'avant est plus long que ce qu'on croit, donc faut... C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Allez, on est parti. Les gars, vous m'avez régalé. Attendez, je vais centrer ma... Voilà. Bon. Hop, bonjour monsieur, vous attendez s'il vous plaît. Je vais me concentrer donc les gars, parce que... Maintenant je suis content parce que j'ai vu votre hype sur cette série et je vous en remercie infiniment. Donc maintenant, je vais en profiter pour me concentrer. Si je fais ça normalement, ça ne fonctionne pas. Je pensais que ça zoomait. Ok, bon, je fais des expériences. Je sais pas comment on fait pour allumer les feux. J'avoue. Peut-être elle. C'est ça. Ah voilà, ok, j'ai compris. Là, je viens de mettre les feux de jour. Allez, on marque le stop. Et on va tout droit, c'est ça? Je suis un peu perdu, j'avoue. On va tout droit, très bien. Alors, si je fais ça, ça zoome le GPS, d'accord. Ok. Ok, ok, on est parti. Pour le moment...
J'avais oublié. Wow, bah j'ai bien fait là. Oh, j'ai carrément bien fait. Par contre, là, j'ai vraiment plus aucun retour de force dans le volant, les gars. J'ai vraiment... je pensais pas que j'avais désactivé à ce point. Donc, vous m'en voudrez pas, mais je vais quand même assez souvent retourner dans les paramètres, hein, très sincèrement. Et c'est ce que je vais faire de ce pas. Je vous fais une coupure, les gars, vous inquiétez pas. Là, on est tout bon, les amis. Et j'ai de nouveau réglé le trackier. Oh, pardon. Je vais pas m'engager. Si, il me laisse. Merci. J'ai... Voilà, le retour de force. Ah, ça passera pas. Ça passera pas, si, ça passe. Ça passe. Je suis un beau gosse. Ok, c'est vraiment... Quand t'as l'habitude de Euro Truck, ça fait un truc bizarre. Bonjour messieurs, dames. Oui, donc je disais, j'ai réglé le retour de force et aussi le trackier, le suivi de la tête qui est beaucoup mieux. Bonjour messieurs. Messieurs, dames. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Laisser les passagers embarquer. On va activer la clim. Voilà. Et puis j'imagine qu'on va ouvrir la porte. On va faire comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Comme ça. J'ai ouvert la porte arrière. Activer la girouette. Mais comment on a... Gros, il n'y a aucune explication. Ok. Je ne sais pas comment faire, donc je vais sortir. Et je vais ouvrir de moi-même. Voilà, venez entrer. Oh, ça marche. Ils rentrent. Oh, ils m'ont fait peur. Bonjour. Bonjour à vous. J'ai pas de porte automatique, je dois faire ça moi-même. Bonjour à vous, bienvenue. Oh là là, vous êtes méga nombreux. Le masque, le port du masque est obligatoire. Ah, vous m'aviez dit d'ailleurs que Lille... Bonjour. Vous m'aviez dit... C'est stylé. Vous m'aviez dit que Lille, elle existe pour de vrai. Donc, bah, c'est stylé. Allez, on ouvre la porte ouverte. Installez-vous, s'il vous plaît, messieurs, dames. Soyez les bienvenus à bord. Je me suis cru sur un bateau, quoi. Oh, vous me regardez de manière coquine, madame. Mais c'est trop stylé. Allez. On est tout bon, on va pouvoir y aller. C'est trop bien. Mais attendez, j'ai les pleins phares là. J'ai les pleins phares? Ah non, pas du tout, j'ai rien dit. Voilà, là on a les bons feux. Allez, on y va. On va y aller. Moi je suis... Eh, je suis un bus, je suis prioritaire en théorie, hein, les gars. Oh! Je suis prioritaire! Allez, on est parti. Les amis, ça va être trop bien, les gars. Ça va être trop bien. Et si je fais ça? C'est ça le klaxon d'un bus? Bah c'est ultra moche. Allez. Hop. Bon, mon clignotant il s'est enlevé mais c'est pas grave. Allez les gars, je me concentre. On va faire... Eh franchement déjà ça commence déjà bien mieux que la dernière vidéo. Attendez. Hop. J'augmente un peu le volume. Oh, je me suis mangé le côté, je l'ai senti. Alors. Mais vous voulez que je vous dise un truc? Je vais vous dire le ressenti que j'ai actuellement. Je vais vous dire le ressenti que j'ai actuellement, vous allez pas me croire. Mais il y a un truc qui fait que c'est comme quand je passais mon permis moto et voiture, je suis tout tremblotant. Là, il faut que j'aille où, à droite? Ah, il faut que je suive la ligne orange. Hein. Je suis en train de trembler du pied et de la main, vous le voyez pas? Mais je suis pas du tout à l'aise. Et en fait, aussi con que ça puisse paraître, bah c'est super stylé. Genre j'ai vraiment l'impression d'avoir une grosse responsabilité, d'avoir vraiment des gens. J'ai l'impression que vous êtes derrière moi les gars. Mais surtout j'ai l'impression qu'on me juge. Et que surtout ben je sais pas, mais que c'est la vraie vie. Que je passe mon permis pour de vrai les gars. C'est super particulier. Ah, j'ai une ligne de bus. Donc il faut que je prenne la ligne de bus évidemment. Hop. Voilà. C'est trop chelou. Sur Euro Truck j'ai pas du tout cette sensation. Donc c'est énorme. N'hésitez pas à juger ma conduite, les amis, en commentaire, évidemment. À dire ce que vous en pensez. Je vais encore... Alors, excusez-moi, je monte encore un peu le volume. Comme ça, on sera en pleine immersion totale. On va suivre la ligne de bus. Bon, je roule apparemment trop vite, mais on s'en fiche. Parce que je suis chauffeur de bus, donc je fais un peu ce que je veux, quoi. Ok. Ah, en fait, je les emmène à l'aéroport. Tout simplement, ah cool, c'est vraiment un petit trajet simple. Hop. Ouais, apparemment la durée de vie du jeu n'est pas longue, mais c'est pas grave les gars. On va justement au moins bien s'éclater. Et non, je n'arrête pas Euro Truck, évidemment les amis, pour répondre à cette question. Je n'arrête pas Euro Truck, bien évidemment, et bien au contraire. Bon, pour le moment c'est facile. Pour le moment c'est facile, mais je trouve que je me débrouille pas mal quand même. Hein. C'est pas pour me vanter. On verra par la suite. Hop, et nous on va s'installer là directement.
Bonjour. Ah, mais il faut que je les prenne. Ou je les dépose. Je sais pas. Je sais même pas ce que je dois faire. Bonjour, messieurs. Hop. Ah bah, du coup, je vais vous ouvrir la porte. Je pense qu'ils sortent. Ah, ils rentrent, ils me font peur. Mais attendez, ils vont être beaucoup trop nombreux dans le bus. C'est génial, j'adore ce jeu les gars. Maximum de pouces bleus. Maximum de pouces bleus. Et si vous voulez l'acheter les gars, passez par Eneba. Mon lien en description les gars, Eneba, vous l'avez moins cher, je vous l'assure. Parce que j'ai vu que vous parliez beaucoup de Steam. Mais vraiment Eneba. Attendez. Je dois pas contrôler leur truc là genre. Ça va, c'est bon. Bonjour. Alors, mesdames, vous êtes... Ah oui, il y a vraiment des sœurs jumelles, quoi. Il y a vraiment des sœurs jumelles, mon pote. Allez, c'est parti. D'ailleurs, vous m'avez expliqué la différence entre un bus et un... Et je sais plus quoi. C'est-à-dire que je conduis pas un bus, là. Je sais plus. Parce que du coup, il y a des chauffeurs de bus qui regardent cette série, et je vous en remercie. Mais je sais même pas où je dois aller, je vois pas le GPS. Mais attendez, pourquoi... Pourquoi il n'y a pas le GPS sur le tableau de bord, ici, là hein? Attendez, il n'y a pas moyen. Attendez, mais il n'y a pas moyen d'utiliser sa souris là? Je comprends pas. Je comprends pas. Je dois aller où là du coup? Je dois aller là-bas. Hein. Voilà. Et puis ça repart en fait. Wouhou! C'est trop bien, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Et normalement on peut changer de vue. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Hein. J'ai regardé les paramètres pour un peu tout customiser et mieux gérer. J'ai l'impression que rien ne fonctionne de tout ce que j'ai configuré, les gars. C'est incroyable. Hop. Là, faut pas avoir peur, là. Merde, là, j'ai klaxonné, j'ai pas fait exprès. Hop. C'est ça, en fait. Faut pas avoir peur de prendre large et faut pas avoir peur de taper parce qu'il y a un effet un peu... C'est un peu particulier, il y a un effet bizarre avec les bus, mais comme les roues sont à l'arrière et l'avant, en fait, le nez, il fait un peu... Il est un peu indépendant en fait, c'est ça. C'est très bizarre. Et hop là. Moi je couche le bus les gars. Ah, comme en moto hein. Ah, un peu comme en moto ouais. Alors là il y a une station essence, c'est bon à savoir aussi. Si jamais. Alors on va y aller tranquillement. J'adore les gars, j'adore. C'est satisfaisant là. Je commence à être un peu plus à l'aise là. Je commence vraiment à moins trembler. Genre comme quand tu passes ton permis voiture ou moto. Tu trembles au début, t'es pas bien. Et après tu deviens tellement à l'aise. Et apparemment vous m'avez dit aussi il faut prendre comme les poids lourds, les ronds-points en extérieur. Donc merci pour vos conseils. Je les applique évidemment à la lettre. Allez c'est parti. Je roule peut-être un peu trop à droite, attention, on va éviter de se prendre un lampadaire, ce serait fort dommage. Là, il n'y a personne derrière moi, donc on se permet un peu de couper, hein, évidemment. Enfin, de couper. C'est pas que je coupe, mais c'est que mon bus est quand même relativement grand. Et relativement large. Hop, voilà, bonsoir à tous. Hop, oh là là, mais je... Ouh. Eh, je suis fier de moi. S'il y a des chauffeurs... Bon, là, je viens de faire un peu un écart. S'il y a des chauffeurs de bus, là. Pareil, c'est comme sur Eurotruck. J'aimerais que vous me dites... Mon évolution, ce que vous en pensez, tu vois. Parce que forcément, quand on sera à l'épisode 10, je serai peut-être encore plus à l'aise. Et je vais peut-être rouler comme un dieu. Ou au contraire, je vais peut-être rouler comme une... moins bien, tu vois. Vous me direz. Mais attendez, mais il y a un truc qui est débile, là. Pourquoi on retourne au point de départ, alors que j'ai toujours les passagers qui venaient du point de départ? Attendez, il y a un truc qui m'échappe, là, les gars. On est d'accord qu'il y a un problème, là. C'est-à-dire que je viens de... Au tout début, j'ai pris des gens... Mais ils sont pas sortis là. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ok, alors je viens de voir qu'on peut mettre le régulateur. Le régulateur de vitesse fonctionne hein. Parce que je me suis d'ailleurs trompé de bouton. Tu vois là j'ai... Hop, j'ai le régulateur à 24 là. Mais attendez, mais je comprends pas. Je viens de récupérer des gens ici et je vais les déposer là. Il y a un truc qui va pas là, messieurs dames. Genre ceux qui viennent de l'aéroport, il y a pas de problème. Mais ceux que je viens de récupérer là, laisser débarquer tous les passagers. Bah ouais, bah là faudra m'expliquer ce qui vient de se passer. Hop. Je me mets en neutre. Et puis c'est carré. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Ah bah d'ailleurs je vais même sortir du bus, prendre l'air un peu. Peut-être ouvrir l'arrière.
Mais non! Je viens de comprendre mon erreur et je suis sûr que vous vous mordiez les doigts. Il faut ouvrir la porte arrière pour laisser sortir les gens et donc j'aurais dû le faire là-bas. Mais c'était pas du tout expliqué. Bonne journée, messieurs, dames. Bah, du coup, vous êtes de nouveau au point de départ, je suis désolé. Enfin, la moitié est au point de départ. Bonne journée à toutes et tous. Je croyais qu'ils voulaient me prendre en photo. Eh, vous êtes super longs, les gars. Bah, du coup, vous croyez qu'ils vont sortir ceux qui voulaient pas sortir, enfin, ceux que j'ai récupérés là? Bonjour, madame. Vous avez vu, il est beau mon bus. Il est beau mon bus. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Va falloir aller chez le coiffeur, monsieur, vous aussi. Hein. J'ai l'impression que tout le monde sort. Ah, hey. Il est quand même beau mon bus. Hein. En plus, c'est un man. Est-ce que vous croyez qu'on peut se faire écraser par les voitures? Moi, j'ai eu de la chance là. J'ai failli me faire écraser. Oh, putain, ils sont longs. Hein. Ils pourraient sortir par devant quand même. Hein. Ils abusent un peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il se passe quoi là si je roule et que je me barre? Ce serait drôle. Vous êtes super long. Attends, en attendant, on va boire un coup en terrasse. Ah bah non, les bars sont fermés. Bonjour. Ça va? Tous les arrêts ont été desservis. Aucun passager n'a été oublié aux arrêts. Évaluation du service 18%. C'est pas beaucoup ça. Et j'ai gagné d'XP. En réalité, j'ai pas desservi les gens qu'il fallait, hein, si je puis me permettre. On est bien d'accord que j'aurais dû ouvrir les portes arrière quand on était à l'aéroport. J'ai vraiment été naze sur le coup. Et je m'en veux terriblement, si vous saviez. Allez, et nous on va sortir par là. Alors là, comment on va faire? Est-ce que je le laisse passer? Vas-y, passe! Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, je suis un génie. Je vais être chauffeur de bus plus tard. Non mais vous êtes des connards vous en fait. Mais arrête. C'est pas grave. Là je suis en train de monter sur le trottoir. Faut faire la manœuvre en plusieurs fois. Hop, bon je suis totalement sur le trottoir. Mais les gens ne sont pas coopératifs. Alors attends, on va faire ça comme ça. Hop. Oh là là, je suis un génie. Faut que j'arrête de dire ça parce que ça va vous énerver, je le sais très bien. Attends, si je fais ça, ça met pas les warnings. Ah, ça met les warnings. Ok. Parce que j'ai un peu configuré des touches. Et j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Bon, bref, c'est pas grave. Allez. On retourne à l'entreprise. Ça va, je m'en suis bien sorti pour ce long. Je suis un tocard. Je m'en fous, j'ai plus de passagers. Allez, on y retourne. Mais j'aime, c'est sympa hein. Franchement c'est super sympa. Pour le moment ça me plaît bien les gars. Évidemment on va pas s'en arrêter là. Je vais vous régaler, en plus vous voulez des épisodes aussi longs que Euro Truck. N'hésitez pas à faire des pauses. Donc on va voir ce qu'on va faire. Hop, on va évidemment se mettre bien comme as. Hop. Et on est tout bon. Non attends, il faut que je fasse ça. Ok, et là je fais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais couper le moteur. Impeccable. Hop. Et on va retourner eh bien à notre bureau. En fait, vous savez ce qui m'excite avec cette aventure, je vous l'ai dit dans le premier épisode, c'est qu'on va pouvoir s'acheter peut-être une villa, une maison et se faire une vie incroyable si on gagne de la thune. Et c'est tout ce que je veux faire les gars. Ça c'est l'objectif de la série, c'est avoir une belle vie. Allez dans la pièce voisine. Cliquez sur le dossier sur le bureau. Je vais avoir des employés, les gars. Chauffeur, mécanicien, guide, recrutement. Ah! Ah! Mais ça veut dire quoi, ça? Certains candidats ne peuvent être embauchés que si vous pouvez leur proposer un logement. Ah oui, non, ça va pas être possible. Fiabilité de l'employé. Mais ça, c'est quoi? C'est ce qu'il demande ou c'est ce qu'il rapporte? Non, c'est ce qu'il demande. Hein. Bon, j'ai un bon budget. Du coup... ça c'est la fiabilité sur 100. Bah, les gars, on va prendre les plus fiables hein, quand même hein. Ouais, mais il demande beaucoup lui aussi. On va faire un compromis les gars. On va faire un compromis, ça va pas être long, vous allez voir. Lui il demande 1500 mais c'est le plus fiable. Mais on va oublier parce qu'il est trop cher. Lui
Bah lui, il est beaucoup moins fiable et il demande pas beaucoup moins. Donc c'est une arnaque. Alors que lui, regardez, lui, il demande moins, mais il a un meilleur indice de confiance que lui là. Donc Jake Seibert, lui c'est moins, lui c'est moins, lui c'est moins. Il y en a, ils demandent beaucoup alors qu'ils ont moins d'indices de confiance. C'est un truc de taré. Eh ben les gars, je pense que c'est le meilleur truc que je vais faire. Je vais prendre Jake Seibert. Mais de ouf. Allez. Change salary, c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi ça? 1000. Bah vas-y. Le candidat accepte votre offre et travaillera dans votre entreprise dès demain. Ah d'accord! Je viens de lui proposer pour 1000 euros quoi. Bah c'était ce qu'il demandait en plus. C'était exactement ce qu'il demandait. Il demandait 1000 euros. J'aurais pu faire un geste. Bah je pense qu'on peut changer. Oh, on peut changer le salaire à tout moment. Eh frérot. Oh là 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 là, je vais être un patron, mais tellement tellement bien, vous allez voir. Je vais être le meilleur patron du monde. Et je vais embaucher encore. Je vais embaucher encore, les gars. 1200, 42, 42, 5, 8000. Voilà, Arin Shepherd, tu vois. Ça vaut le coup. Toi, Arin Shepherd, tu vaux le coup. Pareil. Je te donne 1000. Dès demain. Allez, c'est carré. C'est carré, c'est carré. On a deux nouveaux employés, les amis. Et ça fait plaisir. Le premier employé, votre nouvel employé sera prêt demain. Allez simplement au calendrier et avancez le temps jusqu'au lendemain. Ok. Eh ben, let's go au calendrier. Nous sommes aujourd'hui le 9, donc on va avancer au 10. Voilà. Le lendemain. Le premier employé. Votre nouvel employé est arrivé et est maintenant disponible. Obtenez encore une nouvelle mission. Ok, bah c'est parti pour une nouvelle mission, les frérots. Ah là 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 là. Par contre, est-ce que je dois gérer les missions des autres? Sinon, ça va être chiant. Non, ça va être pour moi, ça. Attends, mais là, on va de nouveau à l'aéroport? Oh, mais c'est chiant. C'est tout le temps la même. Pour le moment, c'est tout le temps la même. On ouvre le planning. Bah, cette fonctionnalité, elle est désactivée. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Aller au tableau d'affichage pour ouvrir le planning. Eh, y a quoi, là? C'est désactivé. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah là, pardon, my bad. Oh, je suis un connard. Dans le planning, vous pourrez gérer vos itinéraires. D'accord. Ah, c'est complexe. Bon, bah, c'est exactement le même itinéraire que hier. Hein. Trajet régulier. D'accord. Oh là, on peut voir toute l'île. Oh, et en vrai, ouais, elle est petite. Elle est petite de ouf. Il n'y a pas beaucoup de routes. Mais au moins, on va bien s'amuser pour découvrir ça et ce sera facile à découvrir en vrai, les gars. C'est ça ce qui est bien. Non, mais en vrai, je pense que les routes, elles doivent être géniales par contre. Ok, donc ça, c'est notre itinéraire. Donc, c'est à nous de gérer, genre, si c'est nous qui allons le faire ou si c'est mes employés. Et ben, comme c'est un trajet qu'on a déjà fait, ça va être Arin Shaper. Elle est niveau 4. Vas-y, on prend Arin Shaper. Ah, bah non, du coup. Ah, faut que j'achète un véhicule, du coup. Ah bah oui, faut que j'achète des nouveaux bus. Aïe, coup dur, coup dur. Bah si, bah vas-y, conduis mon bus, toi. Voilà. Donc là. Là, elle va conduire mon bus, là. Ouvrez un nouveau calendrier et avancez de 2 jours. Bah voilà, comme ça, nous, on n'a pas besoin d'attendre, c'est vrai. On est jeudi, on avance de 2 jours, hop. On libère notre véhicule, évidemment. Et donc là, elle vient de s'occuper, voilà, elle s'est occupée de la mission. La mission a été effectuée avec succès. Ouvrez maintenant la gestion de flotte dans le menu des véhicules. Alors, c'est où ça? C'est pas là. Oh putain. On peut acheter de la bouffe et tout. C'est là? C'est là. Ouais. Mais attendez, je viens de découvrir. Il y a un distributeur de coca et tout. Il y a des casiers. Oh attendez, je suis en train de découvrir mon bureau. Je connaissais pas. Oh, une porte ici. Mais attendez les gars, mais j'adore ce jeu. Juste, on peut se balader. Attendez, mais il est où mon bus? Ah bah oui, il est parti. C'est normal.
Je peux monter l'échelle? T'imagines? T'imagines, tu peux monter l'échelle? Ok, ah, c'est trop bien. Donc on peut passer par là, c'est beaucoup mieux. Il y a quoi là? Encore un distributeur. Ah ouais. Bon bref. Bah nous on doit aller là. Votre employé a utilisé véhicule. Cliquez sur le champ pour vous attribuer à nouveau le véhicule. Ah c'est ça que je dois faire, mais quel cassos. Il faut que je m'attribue le véhicule. Voilà. Obtenez une nouvelle mission pour vous-même. Allez, c'est parti. Bon, pour le moment, c'est très guidé et heureusement parce que là, je suis un peu perdu. Il y a des missions attribuées de façon permanente. Celles-ci sont marquées d'un symbole spécial. Les missions sans ce symbole sont des missions ponctuelles réapparaissant occasionnellement. D'accord. Donc ça, c'est une mission qu'on aura toujours. Genre, elle sera toujours là. Dis-moi ce que c'est. On va la faire, hein. Et là, je pense que je peux aller... Bah voilà, c'est ça. Je peux aller voir le planning. Oh, trop bien! Ça y est, un nouvel itinéraire. Donc là, évidemment, ce que je peux faire, je peux totalement... Ah bah non, vous devez parcourir chaque itinéraire une fois avant de pouvoir l'attribuer. Parce que justement, j'allais dire, là, je peux envoyer un employé le faire. Mais pour ce faire, d'abord, il faut que moi-même, je fasse l'itinéraire, et après, mes employés pourront le faire quand ils le veulent. C'est génial! C'est trop bien! Ça t'oblige, quoi qu'il arrive, à rouler, mais en même temps, t'es pas toujours obligé. Eh bah c'est parti, les gars, on va s'éclater direction Castillo Caleta de Fuste. Je crois que ça va être sympa en bord de mer là. Je crois, les gars, que ça va être sympa. On va passer donc à la prochaine tâche. C'est parti, le calendrier. À demain! À demain tout le monde! À demain dimanche! C'est parti. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce jeu, les gars, ça m'excite. Le bus est nouveau là. C'est dommage qu'on voie pas nos employés. Genre, ils pourraient être à l'intérieur, ce serait stylé. Non, à chaque fois, je me trompe. À chaque fois, je vais du mauvais côté. Ah, oh, on peut. Mais non! Mais c'est trop bien! Je pense que à l'avenir on pourra customiser comme on veut. Ah ouais, on peut ouvrir. Mais non! On va pouvoir réparer le bus et tout, je pense. Ils en ont pas encore parlé, mais je pense qu'on peut réparer le bus, les gars. Et on verra ça. Pour le moment, il fonctionne très bien. Donc, bah, j'ai envie de dire c'est l'essentiel. Alors, le contact. Le moteur. Les feux. Voilà. Et puis c'est parti. Non, le frein de parking. Et on est parti. Bon, on va éviter de taper. Je crois que j'ai eu un accrochage. Attendez. Je crois que j'ai eu un accrochage, non? Oh! C'est trop bien fait! Enfin, bon, peut-être pas spécialement bien fait, mais. Oh merde! C'est pas grave, les gars. De toute façon, j'ai dit, on le réparera. C'est mes débuts, les gars. Ne m'en voulez pas, c'est mes débuts. Allez! C'est parti. Ah, ça y est, le GPS, il fonctionne sur le bus. Parce qu'avant, il fonctionnait pas. Pardon, je voulais pas klaxonner. Allez, c'est parti. J'ai hâte aussi de voir c'est quoi, du coup, ces salles de muscu, les restaurants, est-ce qu'on peut y aller? À quoi ça sert, finalement? J'ai hâte de voir ça et de découvrir les amis. Ça va être trop bien. Par contre, on est d'accord que les bus, normalement, les clignotants, ça fait pas comme là. Genre, normalement, ça fait pas genre. Mais, tu vois ce que je veux dire? Oh, magnifique Audi. Par contre, va falloir se décider, hein. Les gars? Vous êtes AFK, là, les gars? Ou vous êtes parti pisser? Ou. Alors, c'est pas comme... On peut pas faire d'appel de phare. Enfin, j'ai pas trouvé comment. Bon, et les gars, vous faites quoi? Non, mais on sait... Mais c'est pire que Eurotruck, là! Oh! Eh, les gars! J'ai des gens qui m'attendent, là! J'ai des gens derrière? J'ai des gens derrière. C'est pas grave. Et genre... N'importe quoi, lui. N'importe quoi. En fait, il se foutait de ma gueule. Ok, là c'est étroit de ouf, mec. Hein. Quand il y a plein de voitures comme ça, allez, on prend large. Oh là, je crois qu'on peut acheter une maison. Je pense qu'on peut acheter une maison ici, les gars. Alors pour le coup, ça m'intéresse pas. Pas ici pour le moment, en tout cas, on verra. On va pas acheter de maison trop vite. On est très bien dans notre bureau finalement. D'ailleurs, je sais pas où est notre maison dans la vraie vie. Je pense que c'est notre bureau, un peu notre lieu de vie en fait. Waouh, ils sont nombreux, hein. Pourquoi ça passe pas? Si ça passe.
C'est limite, mais ça passe. C'est très bien, ça, ce que je fais. Hop. Toujours checker les rétros. Bonjour tout le monde. Ah là là, j'adore. Non, à chaque fois, j'ai des problèmes, je vais mettre en neutre. Voilà. Allez, je sais toujours pas comment on ouvre la porte sans se lever, donc voilà. Bonjour messieurs, mesdames. Bah les gars. Ah, faut activer la clim. Bonjour à tous. Mais oui, en fait, il faut que j'affiche le panneau devant, en fait. En faisant Z, c'est ça. Mais oui, c'est trop bien. Donc ça veut dire ligne 22, c'est ça? Attendez, je veux voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, 22. C'est trop bien. Allez. Ça part, les gars. Et je vous rappelle que je suis prioritaire. Je suis prioritaire! Allez, avance maintenant. Oh là là, ça n'existe pas, ça, dans la vraie vie. Non mais là il faut que tu ailles, hein. Moi je passerai pas, les gars. Oh là 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 là. On doit tout faire pour eux. Je pense que l'intelligence artificielle va aussi m'énerver sur ce jeu. Allez, j'y vais. Allez, c'est y part. Wouhou. Accrochez-vous, messieurs dames. Du coup, le commodo là, le clignotant, il arrête pas de couper. C'est pas grave. Je me concentre sur la route, c'est le plus important. Wouhou! Et là, ça y est, on va prendre de la nouvelle route. On va découvrir de nouveaux horizons, les amis. J'ai très très hâte, j'ai très très hâte. Je suis très excité. Hop, regardez, je suis devenu un chauffeur de bus expérimenté. Moi, j'ai plus peur de rien. Hop, j'ai peut-être pris trop large avant. Je ne sais pas. Moi, je pense. Voilà. Hop. Oh là 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 là. Quel plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Si vous voulez essayer ce jeu, mais faites-le. Hein. Vous le regretterez pas. Je suis prioritaire, laisse-moi passer, merci. Franchement, c'est tellement bien. Alors, bon, pour le moment, on va pas mettre de régulateur. De toute façon, c'est limité à 90 et je suis encore loin des 90. Et ça va trop vite. On va rester à 80, les gars. Tranquillement. Bah, de toute façon, voilà, c'est limité là. On va se calmer. Du coup, c'est une bonne question. Je sais pas s'il y a des excès de vitesse ou pas, s'il y a la police ou pas. C'est une bonne question. On en a pas encore vu. Clairement, c'est pas du tout la priorité pour le moment. Là, on va juste essayer de faire attention. Le clignotant! On est d'accord, il a pas mis le clignotant en plus. Hop. Voilà, on fait ça bien, nous, là. Allez, c'est parti. Magasin de bricolage. Mais arrête. Genre, on découvre des... Mais il y a des restaurants, des salles de muscu, des maisons de bricolage. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? C'est incroyable. Oh, c'est magnifique. Regardez-moi ça, les gars. Oh, ça, c'est magnifique. Est-ce qu'on fait comme sur Euro Truck et on se fait des miniatures en direct? Je pense qu'on peut là. Je pense qu'on peut, les gars. Là, les gars, attends, comment on fait une miniature nouveau? J'ai oublié. Allez, j'ai tenté une capture d'écran. On verra si ce sera la miniature ou non de la vidéo. Et puis voilà. Oh, j'ai peut-être un peu freiné fort là. J'ai peut-être un peu fait crisser les pneus là. Hop. Carré, carré, carré. Et on est déjà arrivé là? Oh, arrête, c'était trop rapide. Alors, c'est pas là que je dois tourner. Eh oh, doucement. Molo lastico. Là, il y a un magasin et tout. C'est là qu'on tourne. Personne. Oh putain. Ça passe. Waouh, c'est passé, j'ai regardé les rétros. C'est passé crème. C'est passé crème de ouf.
Hop. Et par contre, est-ce que je dois ouvrir la porte arrière ou pas du coup? Est-ce que eux sortent? Je pense que oui, hein. Ah ouais, ils sortent. C'est un peu... Là, c'est pas très très Covid. Là, c'est pas très très Covid. Ah bah attendez, on va pouvoir faire la miniature alors. Là, on va... Là, les gars, ouais, on va pouvoir faire la miniature. Oh, attendez, on voit la mer derrière. Oh, c'est trop bien. Alors, attendez. Comment je peux faire? Comme ça, là. Oh, comme ça. Et on... Attendez, hop. Et on voit un peu la mer derrière, les gars. Je crois que là... Je crois que là... on va même tricher sur la météo. Comme ça, les gars. Profondeur de champ. Allez, évidemment, on va mettre un petit flou. À l'arrière, c'est qui tousse, là? Je sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui vient de tousser. Hop, capture d'écran, c'est la miniature, les gars. C'est totalement la miniature. Quel plaisir. Ah, vous disparaissez comme ça, d'accord, ils disparaissent. Bon, allez. C'est bon? Tout le monde est entré? Tout le monde est sorti? Je referme. Hop. Et ben voilà. Voilà, et j'aurais dû mettre le frein à main, je crois. Allez. Ah, oh, évidemment. Là, on prend à droite. Y'a personne. C'est carré. Ça passe. Je pense que je prends un peu large. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment faudrait peut-être mieux faire ce genre d'intersection. Franchement, je suis preneur de tout. Ça m'intéresse tellement, les gars. Alors, je vais attendre qu'il vienne, lui. Évidemment. Ah, c'est... Oh, ça, c'est gentil. C'est très gentil. Merci, monsieur. Merci beaucoup. On vient de découvrir un hôtel. Donc on va potentiellement pouvoir séjourner à l'intérieur. Magasin d'électronique, mais n'importe quoi. C'est trop bien. Alors là, on va quand même prendre large. C'est à cause du côté droit, du coup. Putain, je crois que je suis très très bien. Je crois que je tiens bien ma droite. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression que je tiens bien pour le moment. Après c'est simple, hein, tu le ressens direct, hein, si je suis pas bon, si je monte sur le trottoir, je le ressens direct, donc hop. Et nous on est parti. Il y a un casino ici, les gars. Oh là là, bah oui, au bord de la mer, évidemment. Le classique des casinos. Allez. C'est trop bien. Je kiffe. Regardez-moi cette petite vue plutôt sympathique. J'ai hâte aussi de partir loin. Et vous savez quoi, quand on va rentrer après? Enfin non, ça dépend en fait, parce que tout est un peu guidé sur le jeu. Donc je pense que ils diront de eux-mêmes quand il faudra, je sais pas, aller à la salle de... À la salle de muscu ou quoi. Je suis désolé, messieurs, dames, ne paniquez pas, je vous ai entendu crier. Voilà, voilà, voilà. Je suis désolé. Vous êtes entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas. Je viens juste d'avoir mon permis bus il n'y a pas longtemps, hein. Je suis encore débutant. Forcément. Allez. Ouh. Pourquoi je peux pas zoomer? Normalement, j'ai une touche sur mon volant pour zoomer, ça ne fonctionne pas. Par contre, le klaxon fonctionne. Ouah, la descente du turfu, mon pote. Wouhou! C'est trop bien. Ah là 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 là. Quel bonheur.
Alors attends, là on va se calmer parce que je crois qu'on va prendre à droite. J'étais un petit peu long à la détente. Ok. C'est chiant, les rétros ils sont vachement hauts quand même. Hop. Toi tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. Mais enfoiré! C'est moi où il a mis ses warnings? Attendez les gars, excusez-moi pour ma conduite, mais il vient de me mettre les warnings pour s'excuser? Arrête! Mais arrête, c'est trop bien fait. Je vous... Non mais attendez, j'ai pas fumé, il a mis ses warnings. C'est incroyable. Il faut ça sur Euro Truck. C'est trop bien. Je regarderai au montage, mais il a fait les warnings. Ça me fascine. Hop. Bon, en vrai, ça va, je me débrouille mieux que le premier épisode, comme dit. Bon, j'ai fait quelques folies, hein, mais... J'ai pas pu changer le clignotant, je suis désolé. Bon, un volant de bus dans la vraie vie, j'imagine bien que c'est quand même bien plus compliqué à tourner que ce que je suis en train de faire, évidemment. J'ai quand même bien diminué le retour de force, hein. Hop! Et bien voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu, cette petite frayeur. Bonne journée à tous. Oh mais attendez. Ah ouais, on peut voir les passagers en haut. C'est un peu compliqué là quand même. Mais on peut pas. On peut pas avoir, je suis désolé les gars, mais on peut pas avoir un meilleur champ de vision les gars. Parce que là IA nanani nanana. Sensibilité, rotation de la caméra, couplé machin. Inclinaison, retour de force. Je peux un peu l'augmenter encore. Y a pas le. Comment on fait le champ de vision, mon pote? Graphisme? Champ de vision, il est au max. Mon champ de vision, il est au max. Je comprends pas. Parce que pour moi, ça me suffit pas. Hein. J'aurais bien aimé avoir un meilleur champ de vision quand même. Hein. Bon, par contre, ils sont longs. Ils sont longs de ouf. Attends, mais il y a des gens, ils ont laissé leur valise là. Ils sont teubés ou quoi? Ah, il y a une mémé. Le jeu est beau hein, quand même. Le jeu est vraiment très très beau. Je suis en plein milieu de la route, je suis vraiment un tocard. Bon, ne jamais faire ça dans la vraie vie parce que vous laissez votre bus à tout moment il peut se faire voler. Allez messieurs dames. Et attends, normalement je suis pas obligé de me tourner la tête si je fais ça. Ah, c'est comme ça qu'on zoome. Ça, j'ai trouvé comment zoomer les gars. Et si je fais ça? Ah non, ça marche pas. Aucun passager n'a été oublié. Et bah parfait, et si je fais ça, normalement ça ferme. J'ai eu un accident, mais genre j'ai eu un accident. Voilà, normalement là j'ai fermé toutes les portes sauf celle de devant. Ah oui, j'avais oublié de la fermer celle-là. Mais celle de derrière c'est bon, je l'ai fermée. Ça je peux le faire. Allez, c'est parti. Et ben on rentre chez nous et on va pouvoir. Eh bien les amis, s'en arrêter là. Ah, j'aurais dû essayer de faire ça un peu plus tôt. C'est pas grave. C'était bien aussi ça. Il y a plein de nids de poules par contre. Hop. On va éviter de monter sur le trottoir. T'as des grosses voitures ici. Hein. Hop. J'espère qu'au stop ici, ils me feront pas chier tous les jours par contre. Merde. Allez. C'est parti mon kiki.
Et je pense dans le prochain épisode, bon, on va continuer évidemment de faire, j'allais dire des livraisons, des livraisons de clients, mais j'aimerais bien qu'on découvre, ouais, c'est quoi ces restaurants, cette salle de muscu. Ça se trouve, c'est pas une salle de muscu et j'ai mal interprété le truc. Hop. Et ben, la mission permanente, c'est fait. On coupe le moteur. Et on est tout bon. Entrez dans votre bureau. Attends, le nom de la mission, c'est V. Genre V des motards. C'est incroyable. Attendez. Je veux conclure là-dessus. Je veux qu'on aille voir ce qui se passe. Et on va s'en arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu, les gars. Merci infiniment de suivre cette série également. Et n'oubliez pas le pouce bleu. Ouvrez un nouveau planning et attribuez. Mais oui, donc c'est des. Mais oui, comme c'est des missions permanentes, ça veut dire que moi, à tout moment, je peux les faire. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que du coup, mes employés vont pouvoir la faire tout le temps sans que j'ai rien à gérer. Parce que c'est permanent. Mais c'est génial. Donc, cette mission-là, là, qu'on vient de faire, eh ben on va la donner à Aryn Shaper. J'aime bien Aryn Shaper, j'ai envie de la monter dans les niveaux. On va lui donner le bus, du coup. Hop. Et c'est permanent. Donc, elle va toujours le faire. Sauf si je décide, évidemment, de changer. Et donc là, il va falloir acheter un nouveau bus, j'imagine. Aller à l'autre ordinateur. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Oh, des contrats. Très bien. Je pense que c'est ça. Ah non, c'est l'autre ordinateur là-bas, d'accord. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, pourtant, c'est écrit, hein. Il y a le marqueur. Donc, hop. Cliquez sur ce bouton pour voir votre stock de collations et de boissons pour les visites touristiques. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez voir votre stock de pièces de rechange pour la réparation du véhicule. Ah, c'est pour les... Oui, parce que c'est des bus touristiques, donc forcément, Tourist Bus Simulator. Donc ça, c'est pour mes passagers. D'accord. En l'occurrence, j'ai rien. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller au magasin. C'est pour acheter pour mes passagers. D'accord. Ah là là, d'accord. Aller vers l'armoire à dossier suspendu. Des contrats. Cliquez sur ces boutons pour voir les différents types de contrats. Assurance véhicule, assurance perte, contrat pour le wifi, compte... Ah ouais, non mais c'est vraiment les Sims. Hein. En cliquant sur ce bouton, vous passez à la colonne des contrats conclus. Et ça, c'est les offres de contrats. Oh là 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 là. Ok. Ah ouais, parce que là, il nous faut des assurances, quoi. Offres disponibles, contrats souscrits, j'en ai aucun, évidemment. D'accord. Bon, bah les assurances véhicules, c'est obligatoire. Hein. Mais ça sert à quoi, ça? 100%, 5%. Ah, ok. Mais ça veut dire quoi, ça? Ah, mais non, mais ça veut dire quoi? Mais moi, il... Eh, pour signer un contrat, faut le lire, hein, les gars. Hein, on peut pas lire les contrats. Moi, je peux pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. 100%. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va prendre 100%. Ah, mais c'est 1000 euros par mois. Eh, frérot, j'ai pas toute la thune du monde. Je sais que... Non, mais pour le moment, on va commencer avec des petites assurances. De toute façon, on va pas casser les véhicules. Hein? Non, on va pas casser les véhicules. On va prendre le tout premier, 200 euros par mois, 30%, je sais pas ce que ça veut dire. 200 euros par mois par véhicule. Voilà, donc je l'ai signé, ouais. C'est 200 euros par véhicule, n'oubliez pas. Assurance perte, je ne sais pas ce que c'est. Abonnement wifi à bord, ah ouais, parce que les touristes, ils veulent de la wifi, hein. Genre, ils veulent de la wifi, quoi, ils ont pas de 4G comme tout le monde, quoi. Ah, bah écoute... Bah pour le moment, il faut qu'on commence petit, hein. 20 gigas... Faut qu'on commence petit, les gars. 10 gigas. Pièces de rechange. Éclairage, nanani, nanana, clignotant. Ah oui, tout ça, c'est des trucs à acheter et tout. Ah, d'accord. Et ça, ce sera dans le garage. Et je pourrai à tout moment, sur tous les bus que je veux, changer, voilà, mettre l'éclairage que j'ai acheté, les clignotants. Mais c'est génial, bon, c'est plus facile que dans la vraie vie. Donc en vrai, on peut, en amont, planifier des trucs. Ça veut dire quoi, ça? Delivery cycles in days, je sais pas ce que ça veut dire. Donc ce que je vais faire, je vais commander trois trucs d'éclairage, là. Moteur, je crois que c'est bon. Essuie-glace, il me semble que mon bus il est en panique de essuie-glace, donc pareil, je vais en prendre 3. Et comme ça, à tout moment, quand j'aurai des nouveaux bus, s'ils ont des problèmes, jeu de pneus, courroie, bidon d'huile. Ok, donc à tout moment, je pourrais revenir là pour. Mais c'est génial!
Allez à la calculatrice dans la pièce suivante. Ok. C'est pour mes finances. Vous avez un aperçu de vos revenus, d'accord. Donc on peut voir que j'ai actuellement 147 423 euros. Hein. Chiffre d'affaires global 200 000. Et là, je viens de claquer 54 000. Dette résiduelle 200 000. Je sais pas à quoi ça correspond. Dépenses hebdomadaires, donc 4 000, 5 000. Parce que là, on vient de dépenser tout ça d'un coup, là. Ça se met revenus, dépenses. Putain, on dirait vraiment mon compte en banque, les gars. Enfin, mon compte en banque, mais pas avec les revenus comme ça, quoi. Crédit, nouveau crédit. On peut faire des crédits, évidemment, comme sur Eurotruck et comme partout. C'est génial. Ok. Allez au tableau d'affichage dans cette salle. Ok, il y a aussi un tableau d'affichage ici. Oh là 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 là. Tellement de business à gérer, les gars. Rapport. Ah ouais, c'est les rapports, vue d'ensemble, trajet achevé, chauffeur, un véhicule. Alors, on a deux chauffeurs et un véhicule, donc il va falloir acheter un nouveau véhicule. Traverser la cour et entrer dans l'atelier. Ah là là. Cette vidéo ne va jamais s'arrêter, dites-moi. Mais non, on peut entrer par là? Oh là là. Pas du tout. J'ai fait le tour comme un tocard pour rien, je crois. Ouais, bon, on va rentrer dans l'atelier par la porte d'entrée. Ne me dis pas que je suis bloqué, sinon je vais avoir le seum. C'est bon. Alors. Et donc là, j'aurai mon éclairage, l'essuie-glace, enfin ce que j'ai commandé, je pense. Un petit frigo. Un petit canapé. 1000 euros. Je viens de trouver 1000 euros sur ce canapé. C'est pour moi. C'est Bibi qui régale. Une liste de véhicules nécessitant une réparation sera affichée ici. Et ben voilà. Et donc évidemment, mon bus. Changement de garniture de frein. Voilà. Ah bah si j'avais su. Mais je sais que, voilà, les feux, les essuie-glaces, il y a aussi les dommages carrosserie que j'ai causés moi-même. Vous n'avez pas de personnel disponible à l'atelier. Mais non, ta gueule. Il faut qu'on ait du personnel. Réparation externe. Voilà, ça c'est ce que j'ai commandé, non? Ah non, c'est pour faire ça dans un autre atelier, c'est ça? D'accord. C'est vraiment, c'est super stylé, hein. Montez dans votre voiture. Bon, les gars, on va continuer ça dans le prochain épisode. On va s'en arrêter là. Parce que ça ne va plus jamais s'arrêter. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je l'ai kiffé de ouf et j'adore l'aventure. Et j'ai hâte de continuer et de regarder vos retours. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. Ciao tout le monde!